Megan Hicks of I Run Far, and we're here in Badia Pataglia, Italy. It's a couple hours after the 2017 Trail World Championships. We're here with second place finisher Amandine Ferrato. Congratulations! Thank you. And thanks to you, Fred, Thank you. Trails Endurance Magazine, for translating. You're the Vice Trail World Champion. How do you feel? Comment je me sens? T'es seconde de ce championnat, comment tu te sens? Bah, heureuse, et heureuse surtout de le partager avec Adeline, en fait. Après, voilà, il y a petit bémol peut-être des 3 secondes que j'aurais pu aller chercher le titre, mais c'est très bien comme ça. She's very happy. It's a great pleasure to share the victory with Adeline. There is just 3 seconds between the two girls, but she's very happy. It was an amazing day for her. It was a wonderful race. She's very, very happy. I want to ask a little bit about you as a runner, but I want to sort out the women's finish. It was her and then you, just very close. How did you decide to finish 1-2? En fait, vous étiez très proche à la fin, donc est-ce que comment t'as décidé? Est-ce que vous avez décidé ou est-ce que ça s'est fini comme non, ça? Non, en fait, on n'a rien décidé. Non, en fait, on s'encourageait même. Et finalement, de toute façon, même si j'étais passé devant, en fait, je l'aurais attendu sur la ligne d'arrivée. they were together, but they spoke a little time, but she didn't want to win. Okay. C'est pas que je veux pas gagner, c'est que she would c'est like plus fort de le partager, en fait. It was better to share this victory with, okay. And if she has been in front, she will wait for Adeline to cross, okay, the line together. And to be clear to the people watching this video, you and she are close friends, so it was a sort of a friendship thing. Vous étiez sur les vidéos, on voit que vous êtes très proches, il y a beaucoup d'amitié entre vous. Mmh. En fait, ça s'est fait au stage, hein. On se connaissait pas avant et puis je sais pas, le feeling y est passé. Ouais. It's just one month ago in the trail running camp in France. They didn't know themselves before, and now it's just electric. It's a very good partnership with training and in life. Okay. It's new for the two girls. Après, je pense que Adeline, tu vois, elle a un passé route, donc elle a l'habitude de se battre, et moi je suis plus sur le côté trail avec un état d'esprit un peu différent, donc je suis plus dans la recherche d'émotions et la volonté de se dépasser, en fait. She explained that Adeline is more a road runner, and she has the habit to fight with other girls, other runners, and Amandine is more with friendly, and to share the victory, to share some moments, and she is happy with this second place. I want to ask you about your background with running. This is the first time that I Run Far has gotten to see you race, and I think your first time competing internationally. Ils te connaissent pas dans la course à pied. C'est la première fois qu'ils te voient, et donc c'est la première fois aussi que tu es en sélection équipe de France. Oui, ouais, c'est la première sélection. Ouais. Merci Christophe. the coach is Christophe Malardé, you know, and she was second at the national selection in France in the Trail of Ventoux, right? Just behind. Right. Adeline, yeah. And it's the first selection for her and for Adeline too. And before becoming a member of Team France, what sort of trail racing did you do? Qu'est-ce que tu faisais comme autre course ou comme autre sport? Rien en fait. Enfin non. De quel sport tu viens? Je sais pas. T'as attaqué à courir quand? J'ai attaqué à courir, je sais pas, à 20 ans. Enfin, donc il y a combien? Il y a 15 ans. She didn't make any other sports really before. She just started to run 14 years ago after her studies. Okay.
So you started running as an adult. Quand tu étais adulte, en fait, tu as commencé à courir. Ah oui, complet, ouais. She's a young runner. Okay. So that is to say there is probably a lot of room for improvement with you if this is, you know, you're an adult runner, this is your first time competing internationally, there's a lot of room to grow. T'as beaucoup de, tu peux beaucoup progresser et il y a, enfin, les portes s'ouvrent à toi maintenant. Moi, quoi. Je pense que j'ai bien progressé en 2 ans. Après, je fais ça pour le plaisir en fait. C'est vraiment le plaisir qui me guide et l'envie. Le jour où j'aurai plus envie, j'arrête. She since 2 years, she make a very good level. Mm-hmm. She crossed the level. She grows the level, and now she run for pleasure. Mm. That's the first motivation. It's pleasure. And if she doesn't have pleasure, she will stop running. Okay. Now she is on, with good feeling, with running, with victory, with some podium, and she takes what she had now. Yeah, yeah. Can you tell me about how your race went today? It looked like I Run Far saw you 4 times on the course, and each time it looked like you were very mentally focused and working physically hard, like breathing hard. En fait, vu que tu expliques comment s'est passée ta course, parce que ils t'ont vu 4 fois sur à différents points, et à chaque fois, tu étais très concentré sur ton objectif, mentalement très, enfin très penché, ouais, enfin très concentré, quoi. Bah, j'étais dans l'idée de courir pour l'équipe et de participer en fait au classement par équipe. Après, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Je pense que j'ai fait une course rêvé et exceptionnel en fait, et puis voilà, il y a ce bonus là en plus, donc mais ouais, j'étais concentrée et j'avais pas spécialement de stratégie, mais j'en avais discuté avec Christophe et il a fait toute la course avec moi, quoi, de toute façon. she was running first for the team, for okay. The French team, and for the ranking it was very important to keep the gold medal in mm. France. Mm. And after she was running perhaps to be 10 or 5, but okay. Not focused for a podium. Okay. And she was running in the mine with her coach. And during all the race, she was with him. Yes. And it was for the team, and and all the result after is just a bonus. In the last quarter of the race, you were in podium position. It became clear that you were not only fighting for the podium, but very close to the lead. Did you run with that sort of focus? Okay, now I'm in a good position for the team. Now I'm going to run some for myself too. Au dernier quart de la course, tu étais en position pour le podium et tu savais qu'en gros que pour ouais. Le team c'était jouable. Est-ce que du coup tu as essayé de courir pour toi en essayant d'aller chercher la victoire ou... Non, moi j'étais dans une idée en fait de qu'on se fasse pas piquer la première à la deuxième place en fait par un autre pays. She just want to keep for France the first and the second place. Okay. Amandine or Adeline, but just to have these 2 places and not to give this podium to another country. Right. You are now the vice trail world champion. What are you going to do? Tu es vice championne du monde, donc qu'est-ce que ça te fait? Pour l'instant, je réalise pas trop. She didn't realize. Moi, je vois juste que j'ai surtout fait une course accomplie et que en plus, j'ai pu le partager avec Adeline et qu'on va le partager avec le reste de l'équipe et finalement, c'est ça le plus important en fait. Je suis contente, hein, par contre, mais. She is very happy and it was a race like a dream, a very amazing day. And all around the team is a bonus with a gold medal for the team, with sharing the victory with Adeline. It's an incredible day for her. I hope Team France and you get to have a proper celebration. Congratulations. Thank you. Thanks. For-